bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Super Mario Bros 3. Après avoir fait le cinquième monde, on passe très logiquement au sixième. Et comme je l'ai dit à la vidéo précédente, c'est le monde qui comporte le plus de niveaux dans un seul monde du jeu. D'un monde de glace, comme on peut le constater, un monde froid. Donc il va y avoir des parties glissantes, donc il va falloir faire hyper gaffe. Et on commence à avoir plus de difficultés, même si pour l'instant on s'en est bien sorti. On était sur ses gardes jusqu'au bout, ne pas se relâcher évidemment. Vous voyez que ça glisse. On avance plus vite, comme ça. Le premier niveau, c'est, on va dire, l'échauffement, la mise en bouche. Alors maintenant, alors de ces deux niveaux-là, il y a un niveau qui est un peu particulier. Alors je sais plus lequel des deux, je crois que c'est le numéro 3, mais j'ai un doute. Alors première des choses, on a ça. Ah, le Kofumbi était au-dessus. Il était là, ça va. Ensuite on a une étoile et un champignon. Il y a une plus, c'est déjà ça. Ensuite le mini-jeu qui est là. Alors ça, l'item du frère marteau, il est très rare dans ce jeu. C'est un item très... je pense que c'est le meilleur truc. Tu peux balancer des marteaux en continu. Ce sera de... C'est donc le niveau numéro 3. Non, pas le numéro 2, mais j'avais le doute, mais voilà. Alors, ce niveau-là, il est très particulier, parce que pour le réussir, en tout cas, à mon sens, à moi, il faudra un objet très particulier, puisque c'est celui-ci. Celui-ci vous optimisera au maximum pour le réussir. Ah non? Ah non, c'est pas le 3. Oh, excusez-moi. Ah non, je l'ai gâché pour rien. Non, c'est pas celui-ci. Et après. Ah excusez-moi, non, je pensais à un niveau. C'est pas lui. Bon. Bon bah il est réussi, hein, mais. Ah dommage. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est réussi au même niveau, on va pas s'en faire. Et oui, c'est après. Ah, oh, j'étais sûr de ça. Mais pourquoi je connais le jeu par cœur vraiment?
Ah, ça, des erreurs, ça arrive. Des fois, quand on se prend des boules de feu dans les pieds. Ah, j'avais pas la bonne taille. Ah, regarde. J'ai pas trouvé une touche. Il veut pas que je le descende. Pas de bol. Par contre, s'il s'approche d'ici. Ah non, non, non. Allo, allo, ah, c'est ici. Voilà, c'est entre le 5 ou le 6. Et non pas entre le 2 ou le 3. J'ai confondu. Donc, on verra. On va faire les niveaux les uns après les autres. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est là où il y en a le plus. Les niveaux simples, il y en a 10. Et on est au 4e. Ah mais non mais pourquoi? J'arrive à me tromper de touche. Encore 3 étoiles d'affilée et 5000 plus. Ah bah alors là, c'est la Rolls Royce, hein. Clairement. Donc maintenant, à choisir. Est-ce que c'est le numéro 5 ou le numéro 6? Je ne sais pas. Je crois. Oh c'est peut-être le 5. Hein. C'est peut-être le numéro 5. Hein. Et là, on a ça à affronter. Là. Ah là là. Un marteau. On a des objets avec lui aussi. Ah punaise. Je crois que c'est celui du bas. Je crois que c'est le 5. Allez, disons que c'est le 5. Oui, c'est lui. C'est lui. Je suis sûr que c'est lui. 100% c'est lui. Oui, c'est ça. Alors, voyons, on va voir. Vous allez vite voir pourquoi, pardon. Il fallait absolument avoir ce truc. Alors faut juste se mettre au bon endroit. C'est là. C'est là que tout se passe. Alors, il va falloir faire attention. Alors, première des choses, on va détruire le tuer l'ennemi là. Et vous voyez la carapace qui est là. Il faut la maintenir en l'air et voler en même temps. Sauf que. La charge, elle se déclenche en courant et il faut pas perdre de temps parce que l'ennemi se réveille et la carapace te fait perdre ton pouvoir dans les mains. Or, c'est un pouvoir qui est rare, ça. Donc, je préfère l'utiliser juste pour ça. Que pour ce niveau. Donc, voilà, il est fait. On a plus à en entendre parler de celui-là.
On va pouvoir passer au niveau numéro 6. C'est parti. J'étais sûr de me flinguer. Ah, je le sentais à 100%. C'est une question de... Ouah, c'est pas qu'une question de timing en soi. Si, en fait. Bah, ça a des erreurs. Vu le nombre de vies que j'ai, de toute façon, bon, hein, est-ce que ça me laisse pas un peu de crédit? Par contre, j'ai hâte de sauter. Ok, donc là, cette fois-ci, on est bon. C'est limite. Ok, d'accord. Lui. Ok, cette fois on les a battus. Oh non, pas ça. Ok. Je suis sûr qu'ils vont en laisser un à la fin. Ça définit un autre ordre de passage. Et regardez, c'est pas fini. Il y a un petit peu de temps là. On va tout de suite courir. Alors là, oh, c'est un peu compliqué. Ok, j'ai réussi. Ah, faut être vraiment timé comme il faut. J'ai l'habitude de jouer à ce jeu. Just what I needed.
coup là encore il va falloir équilibrer le nombre de vies. Allez, 26 et 25. Allez, la petite forteresse. Ah, ça c'est bien, les petits items. Samaran, ça m'a chassé du truc complètement. Donc il y en a 10, hein, j'avais pas menti. C'est le seul où vous allez voir deux chiffres sur un niveau. Apparaître des ennemis.
Ah, j'ai senti la grosse douille. Ah, putain, merde. C'est bon? Pour le saut. On va me filmer en train de sauter, là. Oh, on n'a pas eu la dernière étoile! C'est pas bon ski, là. Il n'a pas eu ta troisième étoile, c'était pas ça le ski. Ah, on a les cartes, mais c'est à l'autre bout. Et il reste la troisième forteresse avant le château qui sera juste derrière. Ah oui, donc du coup, là, le champion était. Non, il était en bas. Il était en bas, le champion. Il a lancé l'étoile. Oh. Non, oh putain, oh. Ah, je suis pas concentré là. La tête me suffit là. La forteresse, du coup. Ah, mais merde, c'est pas possible, il est trop vite. On va bien faire là, j'allais trop vite, vite, vite. Oh, ça par contre. Oh! En ayant frappé en étant grand juste avant, ça m'a donné ça. Oh, mais non, j'avais bien sauté! Mais non! Ah, t'es sérieux? Alors, on est bon. Ils m'ont planqué jusqu'à la fin, ces bâtards. Château à la fin. Alors le copain qu'on affronte dans le château là sur le vaisseau, celui-là il est pas évident à affronter. Faire hyper gaffe. Il paraît simple parce qu'il est tout petit, mais il est sur des balles qui lancent en permanence, qui rebondissent. Ça donne pas beaucoup d'espace parce qu'en fait ça rebondit sur ta gueule. Que celui-là, c'est pas évident. Ah bah je sentais. Ah je sentais la grosse douille. J'avais tellement peur de tomber en roulant sur le truc. J'aurais dû tenter d'entrer de jeu. Je me suis dit, je fais le grand saut, ça passe. Cette fois-ci, hein. Bah, ça en soi, j'aurais pas dû utiliser la fleur, plutôt un champignon parce que c'est juste pour sauter en fait. Tu vas pas t'en servir pour flinguer une ligne. Il y avait le copain à la fin. On est face à lui, on voit les balles en question. Face à lui, Copa. Allez, où tu bouges là. On a réussi. Et le monde 6, le monde le plus long de ce jeu, est terminé. Il ne reste que deux mondes à affronter. Les deux mondes les plus difficiles du jeu sont en approche.
Alors, le monde prochain, c'est un monde que je déteste. Dans ce jeu, limite, je préfère le monde 8 au monde 7. Oui, c'est pas une blague ce que je suis en train de dire, mais ça encore, vous verrez pourquoi. Le monde 7, on se fera la prochaine fois, bien entendu. On fait un monde par niveau, finalement. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite de notre Let's Play. Merci beaucoup.